Bonjour, aujourd'hui au tablier de Leslie, on prépare du macaroni au fromage, une des recettes favorites d'Augustine. Ça nous prend du macaroni. Du macaroni. Ça nous prend du fromage. Du fromage. Ça nous prend de la crème. De la crème. Et du sel. Et du sel. Donc, pour faire le macaroni, on a besoin, bien sûr, de cuire les macaronis. Et l'eau, c'est long avant que ça se mette à bouillir. Hein? Faut être patient. Vraiment patient. Ouais. Est-ce que t'aimes ça cuisiner, Augustine? Oui. Ah oui? Pourquoi t'aimes ça faire la cuisine? Parce que j'aime manger. Bon, maintenant qu'on a de l'eau bouillante, on va y ajouter du sel. On peut en mettre pas mal. Encore. Il y en a assez. Donc, on est maintenant prêt à plonger nos macaronis. Et voilà. On laisse bouillir pendant 7 minutes. Eh bien, notre macaroni est maintenant prêt à être égoutté. Ce que je vais faire parce que c'est un petit peu dangereux. Habituellement, elle se brûle. Aouh! C'est pas super. Puis c'est même pas vrai. Oui, c'est vrai. Non, c'est pas vrai. Oui. Et voilà. Et voilà, on est maintenant prêt à procéder à l'assemblage. Donc, on va mettre de la crème. Vas-y. Complet. La moitié. Et voilà, c'est parfait. On en rajoutera. On est maintenant prêt à mettre le fromage. C'est quelle sorte de fromage, maman? Eh bien, aujourd'hui, on a pris un mélange de gruyère et d'emmental, mais on peut utiliser soit du gruyère, soit de l'emmental, ou du comté, ou du cheddar. C'est à peu près au choix. Vous pouvez mettre n'importe quoi que vous avez sous la main pour faire un délicieux macaroni au fromage maison. Vous pouvez aussi utiliser n'importe quelle sorte de fromage. Super. Tu vas doucement, moi, je vais mélanger. Attends, mais pas sur le poids. Oui, OK, vas-y. Non. OK. Est-ce que t'as hâte d'y goûter? Oui. C'est le meilleur macaroni au fromage au monde. Qui a hâte d'y goûter? Wow! C'est prêt. On est maintenant prêt à procéder à la dégustation du macaroni au fromage de Augustine.